Romain, Il est 7h40. Votre invité, Mathieu Belliard, c'est le politologue Gilles Kepel, spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Alors, parmi vos nombreux ouvrages, on retiendra sortir du chaos chez Gallimard, c'est le dernier. Hein. C'est oui, C'est oui. en 2018. Dans ce livre, vous parliez du général Soleimani. Euh, que, je voulais vous, vous poser une question très simple. Ce général iranien, on, on l'a dit dans le journal, Téhéran noir de monde pour lui rendre hommage aujourd'hui, mais militairement. Stratégiquement, est-ce qu'il représentait une menace alors, c'était le grand proconsul qui avait construit militairement euh, cette espèce de ce qu'on appelle le croissant chiite ou la grande zone d'influence de l'Iran qui va des banlieues sud de Beyrouth euh, jusqu'à l'Afghanistan si vous voulez. Et euh, en ce sens, sa mort porte un coup euh, très fort à euh, l'architecture militaire régionale de la République islamique. Il faut bien savoir que l'Iran a construit sa zone de défense en grande partie sur la frontière israélienne, c'est-à-dire que euh, L'objectif, c'était de faire savoir aux États-Unis, par exemple, si vous nous bombardez, nous, on a des missiles qui sont capables de détruire Israël à partir de, euh, du, du Hezbollah au Liban autrefois et maintenant, autant que possible, de des euh, milices iraniennes ou supplétifs iraniennes qui sont en Syrie. Donc c'est lui qui avait construit tout ça et euh, évidemment, l'attaque de, de Trump, l'assassinat la, la, de, de Soleimani, se veut euh, un signe très fort. Des États-Unis. Pourquoi est-ce que Trump a pris cette décision qui semble un risque énorme Je crois que c'est parce que euh, la, la menace d'attaque de l'ambassade américaine en Irak a réveillé aux États-Unis, si vous voulez, ce souvenir traumatique jamais euh, lavé, jamais purgé euh, de euh, l'attaque euh, de l'ambassade américaine je, je, à je... Téhéran il y a 40 ans. Évidemment, et je vais faire attention avec les, les mots, mais on est dans le symbole, le souvenir de cette attaque Bien de l'ambassade euh, à Téhéran, l'importance de ce général Soleimani, et aujourd'hui, un, un Iran qui est euh, obligé de réagir quelque part. Oui, alors, si provoqué. Vous avez raison, si on, si on repart sur, euh, sur la, 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 la tension américaine d'abord, vous vous souvenez qu'il y a 40 ans, en 1980, Jimmy Carter, qui était candidat à ces réélections, a perdu euh, quelques mois plus tard la réélection à cause de la gestion désastreuse de l'affaire euh, des otages de l'ambassade et évidemment pour les iraniens l'objectif aujourd'hui c'est de faire dérailler la réé réélection de Trump lui-même ayant tapé pour ne pas se faire si vous me le pardonnez cartériser vous voyez est-ce que Téhéran es a les moyens d'abord alors, euh, même si on a beaucoup euh, dit que le général Soleimani était quelqu'un qui avait un pouvoir extraordinaire, ces, euh, ces analyses sont un peu remises en cause aujourd'hui par les observateurs. Vous avez un important éditorial de Tom Friedman dans le New York Times qui, euh, à partir de sources israéliennes visiblement, explique qu'au fond, chaque fois qu'il envoyait un avion à Damas plein de volontaires une demi-heure après il y avait un missile israélien qui le désinguait et le fait qu'il ait été identifié et tué à l'instant même où il arrivait on le sait maintenant du Liban puis s'était entretenu avec le monsieur Nasrallah le patron du Hezbollah quelques jours avant comme l'a dit celui-ci montre bien qu'il était totalement sous surveillance filée et euh, on voit aussi dans cette affaire la puissance aujourd'hui des drones comme une arme imparable pour tuer qui on veut, où on veut, en n'importe quel lieu.